Et déclare que la paix soit avec lui. Donc, au salaire, j'ai vraiment un manque
compteur Abraham. Un seul compteur de l'église, même pas un seul fils d'Abraham. Au concours dans un territoire, non. Tu peux entrer dans un territoire. Et ça fait parfois un mot tout mon corps. Et la parole n'était adressée qu'à une seule personne. Ma sœur a tombé béni, ma bique est la main à ma main. Bimbo, en faisant qu'il n'y a pas de bimbo. À ce moment-là, il faut faire un débat de la parole à l'église. Et les serviteurs de Dieu ont vécu cela. Parfois, dans le voyage missionnaire, il laissait entretenir avec deux personnes. Il est passé. Comme un église, pas un matin. Donc, on ne néglige pas l'âme, même une seule. T'as oublié, ouais. Lorsque tu viens, en tout cas, il faut, par les grâces de Dieu, le Seigneur, à quoi ça m'a envoyé à quoi ça. En tout cas, par la grâce de Dieu, le Seigneur doit accomplir ce qu'il a préparé. Les autres années, le 7 décembre 2021. Aujourd'hui, nous sommes le 7 décembre 2021. Toujours continuer dans l'enseignement de la Sénat. Et nous continuons dans notre enseignement sur le Sénat. Donc, mettons fin à la grâce de Dieu, l'Obi. Et c'est demain que nous allons conclure ou finir notre enseignement. Mais nous sommes appelés vos serviteurs ou vos esclaves à cause du Christ le Seigneur. Dans l'union sur mon sol et combien d'amis sont à l'hôtel, il faut qu'on se présente comme. En tout temps, nous serons appelés à l'hôtel, nous devons nous présenter comme les esclaves du Seigneur lui-même. Et là, on est qui peut toujours un programme, c'est qui est Jésus-Christ. Et comment aussi nous avons notre programme sur qui est Jésus-Christ. Et tout cela, c'est pour servir le Seigneur. Mais l'enseignement sur les sept autres, nous allons le finir demain par la grâce du Seigneur. Pourquoi par la grâce de Dieu? Le soir par la grâce du Seigneur. Et en gros, toujours dans le texte, la mission encore, il y a psaume 83. C'est pourquoi nous lisons dans le texte de psaume 83. Oui, toujours, mais c'est seulement le silence d'une demi-heure. Où nous parlons sur le silence d'une demi-heure. Oui, ils allaient comme le septième psaume. Et qui est comme le septième psaume? Total, ce qui est d'abord dans ma commande, mais ce qui a été, c'est ce qui sera. On avait montré dans les choses de Dieu que vous et Salata ne vous couvrez pas. Le Seigneur ne ramène que ce qui est passé. Si tu regardes comment est-ce qu'il avait dit dans le passé, il viendra aussi te montrer de l'autre côté. Ton Dieu a parti avec ses premiers. Le verset premier. Et dans le temps qu'appelle le pasteur à Colombo Lingala, dans le Colombo Jésus Christ. Et le pasteur va traduire en Lingala par la grâce de Jésus Christ. Cantique, psaume 83, cantique, psaume Asaph. Noyembo, psaume Asaph. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Oh, Zambé, Otika Nakati Nakimiate. Ne t'étais pas. Et ne te repose pas au Dieu. Car voici. Tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de rires. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes de Don et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Geba, Amon, Amalek,
les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Traite-les comme un bien. Comme Sisera. Comme Jabin au torrent de Kisson. Que Dieu bénisse les dieux. Amen. Pas pour le temps qui. Les soucis qui nous animent lorsque nous travaillons, c'est que toi qui nous écoutes, on comprend vraiment l'enseignement bien. Que tu puisses bien comprendre l'enseignement. Ça, les grands soucis. Il y a un bon dépôt, ça, mon ennemi. Au début, quand nous avions marché, au septième saut, bien-aimé, silence il y a demi-heure. On avait vu le silence qui est demi-heure dans le ciel. Et tout le monde a dit que le silence sera dans toute l'écriture, dans l'Apocalypse, oui, verset premier. On avait dit que ce silence, en lisant l'écriture d'Apocalypse, oui, le verset premier, ce silence n'allait pas sur terre. Nous insistons là-dessus. Silence on est dans la cité. Ce silence là n'est pas sur terre. Ce silence qui est dans le ciel. Dans le ciel est un silence. Lorsqu'on nous parle du ciel qui reste dans le silence, cela montre la façon dont le Seigneur se contient et ne veut pas agir. Et par rapport à ma saut, et par rapport au saut, bien aimé, ce qui a été. Vous avez plus d'abord de regarder dans ce qui a été une chose passée. Quand le ciel est en silence. Lorsque le ciel reste dans le silence. Alors, Zomona, Mosakoli. Ici, nous voyons le prophète. Donc, Moïse. Donc, le psalmiste. Parce que d'après 1 Chronique 25, verset 1er. D'après 1 Chronique 25, verset 1er. Les chants prophétisaient en chantant. Il disait les choses qui arriveront. Donc, beaucoup de choses qui venaient en Israël. Et se sont faites. Et pour ça, les autres. Et se répandront encore. Il faut comprendre les prophéties. Il faut comprendre la prophétie. Israël, ce qui a salué Timabé, si Israël commet par exemple une verge, une nation qui est à le Seigneur élève toujours une verge, une nation qui doit venir l'attaquer. Mais nation, mais cette nation est toujours en alliance avec la nation et toujours en alliance avec les autres nations. C'est comme ça les Écritures saintes. C'est comme ça que sont les saintes écritures. Nathan, en ces temps-là, les psalmistes voient les nations dont il fait mention ici. Mais dans l'Apocalypse, ils ont comment dire dans l'Apocalypse 17. Ça devient le 10 mois qu'on a cité dans l'Apocalypse 17. Ah, attends, total. Ici, lorsque nous avons vu, Bazar aussi. 10 nations. Donc, ils sont aussi 10 nations. Tout en bas, qu'il y a un verset 6. Nous l'avions lu au verset 6. 10 verset 8. Je réponds encore. On commence ici. Tant des dons. Par Édom, il y a des dons. Les Ismaélites, ils sont 2. Les Ismaélites, il y a 2. Moab. C'est les 3. Moab 3. Batangi, les Agaréniens. C'est les 4. Les Agaréniens 4. Batangi, Gebal. C'est les 5. Gebal 5. Batangi, Armand. C'est les 6. 6. Batangi, Amalek. Amalek. C'est comme 7. 7. Batangi, les Philistins. Bah, les Philistins. 8. 8. Et les habitants de Tyr. Bafan de Tyr. 9. 9. La Syrie aussi se joint à elle. Et coquille 10.
prêtres sont bras aux enfants de Lot. Les enfants de Lot étaient déjà cités Moab et Amon. Ils sont ici au nombre de 10. Maintenant, 10 sont. Maintenant, c'est 10 nations. Soboken a verset 2e. Si tu te rends au verset 2. Toujours à psaume 83. Toujours le psaume 83. Car voici tes ennemis. Oui, tes talents. Donc ils sont aussi les adversaires de Dieu. Ils sont les adversaires de Dieu parce qu'ils haïssent le peuple de Dieu. C'est pourquoi on les cite dans cette prophétie. Tes ennemis, Seigneur. Celui qui s'oppose à toi qui es enfant de Dieu s'oppose directement à Dieu. C'est comme Saul. C'est que Esaïe a raciné pour ne pas dans l'église dans l'église. Donc Saul combattait l'église, les enfants de Dieu. Avant qu'il ne se réponde. Le Seigneur a béni les Nazaire à Damas. Le Seigneur lui est apparu sur les chemins de Damas. A initié. Et lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Mais il tuait les gens qu'il voyait. Mais Jésus a dit que Saul le persécutait. Pour les abattre. Parce que ce sont ses enfants qu'il aimait. Il avait dit que ce sera difficile. Donc t'aurais jamais contre les aiguilles. Donc il ne faut pas plaquer avec le Seigneur dans ces domaines-là. Tout celui qui commet l'enfant de Dieu va croiser le Seigneur sur son chemin. Amen. Tu as celui qui combat en faveur de Dieu. Ne pense pas que tu es seul. Celui qui ne veut pas de l'adversaire se fera aussi adversaire de Dieu. C'est pourquoi tu verras ici. Mais la prophétie, donc les adversaires ou les ennemis de Dieu. Combat y a Amalek, combat y a Amalek contre l'Éternel. Bitumba Amalek a été abominé à Israël, mais bitumba Amalek n'a pas été abominé. Deutéronome le bien mon Dieu. Comment est-ce que Deutéronome le dit? Tant que Zoro Bayango, quand Deutéronome le dit. Dans Deutéronome 17, je pense bien par la grâce de Dieu. Exode plutôt 17, c'est ça. Exode 17. Remarquez en moi. Remarque ici bien aimé. À partir de la zéro comme. Je vais répondre une chose. À partir du verset 8. À partir du verset 8. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Amalek a été combattu à Israël et n'a pas été fait. Alors Moïse dit à Josué. Moïse a été sacré à Josué. Choisis-nous des hommes. Prenez la question qui passe. Sors. Bénément. Et combat Amalek. Bénébouissa Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline. L'obé d'Aïna Kosa Nicolas. La verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne. Lorsque Moïse éleva sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Amen.
Ils ont prophétisé. C'est un mouvement israélien. Ils ont dit mais ils ont parcours de Israël. Qui parle de tout le parcours d'Israël. En Dieu même. Ça passe à malade. Amen. Quand Moïse a tombé le maman, parce que Dieu a fait Moïse Dieu. Lorsque Moïse a élevé sa main, puisqu'il était fait Dieu par la main. Quand on tombe la maman, lorsqu'il élève sa main, et Talisaka, il est mololé que Zambaza malam na Israël. Cela représente les signes de la bonté de Dieu envers Israël. C'est un mouvement prophétique. C'était un mouvement qui cachait la vie. Dieu a aimé sa main. Ça fait à tout pour lui au bon coup Israël a sa prophète. Et Israël était le plus fort. Quand Moïse baissait ses mains. Et quand Moïse baissait sa main. Au cas où que Moïse a pris sa femme. Ne pense pas que Moïse baissait sa main. Moïse était un prophète. Moïse a sa main qui m'a sa colère. Mouvement à sa c'est pour quoi qu'il faisait. Et qui gagnait tous les temps sur la vie des enfants. Et qui avait demeuré tous les temps dans la vie d'Israël. Donc, quand Israël a rejeté la parole, donc, lorsque Israël rejette la parole, il s'agit d'un mouvement, Moïse peste. C'est le mouvement de Moïse qui baisse. Amen. Amen. D'accord, lorsque tu vois, Amalianite va dominer Israël. Amalianite venait dominer Israël. Lorsque la Syrie vient dominer Israël, Dieu a sorti. Cela veut dire que Moïse a baissé sa main. Baisse sa main. C'est ça, c'est mon point, Israël. Et ça ne m'a pas parlé. Israël, c'est ça, c'est toute une vie à Israël. Et ça a dit pourquoi il ne peut pas Israël. Nous sommes là, voilà. Parce que la montagne est amenée, elle est aussi à ciel. Parce que la montagne, c'est aussi le signe du ciel. Et bataille ici, Moïse. Et on a montré ceci. Lorsque Moïse a levé sa main, Israël était le plus fort. Israël a sa main qui il faut maintenant comprendre. Maintenant tu vas comprendre. Israël a sa main fort quand? Quand est-ce que le peuple d'Israël est plus fort que les nations? Quand Dieu est dans sa main. D'abord, sa main a tout pour la galopée. Parce que Moïse a été grand. Parce que Moïse n'est que le signe de l'éternel. Mais le Seigneur a montré ce mouvement dans la vie de Moïse que dans la vie d'Israël et dans la vie d'Israël. Et donc comment tant encore Israël, le Seigneur a dit qu'il est proie à la aussi humilié. C'est ce qu'il y aura aussi un temps où le Seigneur va abandonner Israël pour qu'il soit humilié par lui. C'est lorsqu'il a baissé sa main, les attaques pourquoi ça se dit ça le coco. Amalek était le plus fort. Amalek a dit à Sarah qui m'a cassé pour l'état Israël. Donc, lorsque tu vois, et les montagnes, tant y ont sauvé, comment Israël a échoué devant Babylone. C'est tout le temps quand tu vois Israël échouer ou perdre devant Babylone, devant les ennemis Babylone, devant Perse, devant la devant de puissance, devant toutes les puissantes nations là. Et les monogues a résumé. Les signes de cela est résumé dans cette Moïse. Perse, les amants, c'est qu'on quitte ça le bon qu'on a eu le matin. Suivant attentivement, dans un des séjours terminaux, nous sommes pour l'émission de nous en psaume 83. Je ne suis pas dans ce sujet, mais je le prends seulement pour nous aider dans notre écriture de psaume 83. Les mains de Moïse étant fatiguées, le bon Koyamo s'est appelé Maka, il prit une pierre, soit qu'il parle mon qu'il plaçait sous lui. Et il s'assit dessus. C'est tout un temps. Quand il prend la pierre, lorsque Jésus lui parle, c'est l'arrivée à Messie. Et Jésus. Et c'est la comme l'histoire. Moïse a Dieu fait tout pour un petit. Sa mère, c'est la bataille. Non, c'est la tina. À son temps, c'est que ce n'est pas si, 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 un temps. Il montre que si le feu a un temps, à quoi t'as les dents de souci. Il va entrer dans une autre dent. À comprendre la pierre. Il prendra la pierre. Mais à mon femme. Et il s'y assiera dessus. Amen. C'est sa maison. Et ça, t'as... son trône. C'est l'arrivée à Messie. Voyez, il y a Messie à Jésus-Christ.
Ils reprirent les pierres qu'ils placèrent sous lui et ils s'assirent ici. Aaron et Hur soutenaient ses mains. D'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Donc ce qu'il faut que toute la parole, ils ont soutenu rien. Pour savoir que toute la parole le soutient. Ah ouais, ouais, maintenant, main est calée ferme. Maintenant ici la main est restée ferme. C'est en réalité la grande victoire et à Jésus-Christ. En réalité, c'est la grande victoire. Non, je ne vois pas quelques mots de signification. Je reprends seulement quelques mots. Pour encore ma place dans le. Et Josué vainquit Amalek et son père. Au tranchant de l'épée, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres, pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les yeux. Et Dieu bénisse. Amen. Moïse bâtit un autel. Et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Et il dit, verset 16, rien n'a plus besoin. Mais c'est tout un enseignement. Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek. Et vous allez la bitouba Yahweh du colo Amalek. Des générations de générations. Amalek a zaka la guerre de l'Éternel. Donc la guerre d'Amalek, c'est ce que j'avais besoin de dire. Il y aura la guerre de l'Éternel. Ce sera la guerre de l'Éternel. Contre Amalek. Contre Amalek. Des ans de génération en génération de guerre à Israël. Donc, total, c'est la femme dans l'écriture. C'est que nous montrons tout le temps dans l'écriture. Oui, à vous toucher, à toucher Zambé. Celui qui va te toucher, touche le Seigneur. Et Zambé, il s'attend aussi à moi la vengeance. Et le Seigneur montre aussi, démontre aussi à lui la vengeance. Montez à vos locaux, à vous, il s'agit de maudire l'ennemi. Le serviteur de cette alliance ne va pas te pousser à maudire ton ennemi. Laquelle a monté au salon ma mère? Maudit celui qui te maltraite. Les avocats une alliance. Cela n'existe pas dans cette alliance. Les avocats ont une alliance, ils avaient qui avant. Il y a des choses qui étaient dans l'ancienne alliance. Ils avaient qui est dans pour dans. Donc, ma bombe lit sous bombe, mon mina lit sous lino, na lino. Mais dans cette alliance, ta salion ma mère, pardon. Et celui qui te maltraite, tu dois le pardonner. Salam. Surmonter le mal en faisant le bien. Surmonte le mal en faisant le bien. Ne sois pas un frère ou une soeur rancunière. Parce que tant que le Seigneur est aussi bisso, la prière. Parce que lorsque le Seigneur nous a enseigné la prière, pardonne-nous nos offenses. Comme aussi nous nous pardonnons. À ceux qui nous ont offensés. Si tu ne pardonnes pas, sache que tes offenses ne seront pas non plus pardonnées par le Seigneur. Maintenant, tu vas te poser la question, comment tu pries? Écriture le dit. L'écriture dit. Supposons un problème contre le monde. Si tu as un problème contre le monde. Avant que tu le pries, pardonne-lui. Ceux qui nous ont un problème contre
que toi. Avant que tu t'entends, laisse et va d'abord arranger avec ton frère qui a un problème contre toi. Amen. 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 Mais dans l'écriture de Dieu, mais dans les écritures du Seigneur, il y a aussi beaucoup de choses. C'est tout pour la salle à Zambé. Surtout pour l'œuvre de Dieu. Paul a tenu toujours l'amour. Paul, qui nous a toujours prêché l'amour. Mais il avait aussi croisé un frère Alexandre. Passe. Un frère qui a maltraité l'œuvre de Dieu. Aïe, Simon avec Timothée. Maintenant, il dit à son fils Timothée. Il m'a fait beaucoup de mal. Voilà les abonnés. Sagesse, il y a un salon à faire. Et les mains, on a un. Là, c'est dans la sagesse de l'œuvre que ce frère-là est un élément dangereux. Jean prêchait l'amour. Maillot qui s'envoie bien clair. Mais il a entendu parler du frère Biotre. Biotre faisait un monteï à 4 ans à 5 ans. Biotre était un serviteur dans l'église des saints. Dis-le-le. Déjà dit, il y a des gens qui peuvent reconnaître maman, elle n'a pas.
lorsqu'il a parlé la terre est tombée. Après on a béni une maison et ça a bâti sur l'Europe. Après il parle de la maison bâtie sur l'Europe. Alors il a choisi. Ce qui monte, oh ya yo qui m'a si quelqu'un a écouté toutes les paroles que je dis. Oh ya parlé dans Matthieu 5. Depuis que j'avais commencé au chapitre 5. Si n'a commis dans Matthieu 5. Juste chapitre 5. Ce qui monte, tiens moi bâti. Si quelqu'un le met en pratique. Il sera comme une maison bâtie sur le Adam il peut payer. Même si le vent venait. Ah, quoi, cette maison est tombée. C'est lui qui avait dit ces paroles. Appelle ce biso. Maïen et mieux au boutique à la terre. Dans trois chapitres. Il nous a donné toute l'intelligence pour demeurer ferme dans ces trois chapitres. Il a promis en disant il s'élèvera et il se produira parmi vous des loups, mais vêtus de peau de brebis. Maintenant, quand tu te lèves là, la terre dans les églises de Seigneur, il n'y a pas de loups. Matthieu, chapitre 7. Le chapitre 7. Alors, dis-moi. Il dit ceci. A confirmé, bisous, que papa vous a sauvé, vous qui. Il y aura peu de gens, c'est là qui sera sauvé. Dans ces lieux. Dans Matthieu 7. Dans Matthieu 7. Verset 13 à 14. Le verset 13. A ici, bisous, il nous a dit entrez par la porte étroite. Car l'âge est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. D'autres personnes. Vous, vraiment dans l'église des saints, vous nous faites souffrir. L'église périsse totalement. Et si nous pouvons constater pourquoi parce que les gens pensent qu'on va mettre du feu. On ne n'interdit pas de mèche là-bas dans ces églises-là. Hein? Avec ça, c'est du jour. On n'interdit pas de mèche. Mais ça va saler la cabane. Mais le Seigneur, regardez un peu la matrice. Jésus l'a dit dans la matrice. Vous chassez les démons à mon nom. Vous bénissez. Vous guérissez à mon nom. Vous prophétisez même à mon nom. Mais la soupe, même à la parole, on va la dire à la parole. Je ne vous ai jamais connu. Il fallait que tu dises que tu avais commencé. Après, par deux ans, trois ans, après deux ans, trois ans, dans son salé. Il y a le Dieu, c'est Dieu, ne vous êtes jamais. Donc, on parle pas trop dans ma bataille. Il est souvent salé à la maison. Depuis leur premier jour, depuis leur première réunion de prière, à Zabaté, Jésus n'était pas avec eux. Mais, à lui qui va faire des miracles, mais il était à Gombona, ils avaient fait des miracles à son nom. Ça, c'est Jésus qui est. Les amis sont des colombes. Partir ici, ils avaient bien ça connu que la salle de prophétie Jésus là. Mais Jésus n'est pas avec lui. Bazan pour mettre l'iniquité. Oui, t'es pas là qui pour ça la même. Pour comprendre l'iniquité, il faut faire la Exode 20. Pour comprendre l'iniquité, il faut lire Exode 20. L'iniquité est la Goloba. L'iniquité est changé des dieux. Pour la Sambé à Solo dans Héro. Et la Jean 1. Et dans Jean 1, Dieu, c'est la parole. Ça me fait le mal. À tout à l'heure, mon tonton, j'avais coincé quelqu'un. Maman, mon roi, il n'a pas 10 jours le colombole. Le colombole, 10 jours, il fait la guerre. Une maman qui aimait le bijou comme si le bijou était mort à sa place. À tout le monde, elle m'a posé la question. Maman, mon pauvre, à moi, qui a les choses de Paul avec. C'est comme elle vient, on va pour le dire. Il avait dit aux Corinthiens, mais quelque part là, ce qu'on a mis dans le livre, ils ne savent pas si à qui Paul s'est dit. Quand on a mis dans un Corinthien, lorsqu'on a mis dans un Corinthien, c'est pour les Corinthiens.
il ne s'est pas arrêté là. Et ce qui évoque notre Seigneur Jésus-Christ, Oye, Kali, lo rime tu mil fois présentant mon amour.
N'espère pas qu'elle verra le Seigneur, frère. C'est pour que tu ne suives pas aussi ces voies-là. C'est pour que tu ne suives pas ces chemins. Parce que ceux qui ont gardé l'enseignement, parce que si tu ne gardes pas l'enseignement, tu ne verras pas non plus le Seigneur. On reçoit gloire dans ma vidéo. Mais le Seigneur t'ignore. La femme doit adorer, doit se voiler. On t'a prêché que la femme avant la on te donne les critiques. Ma personne ne peut dire. Yo, salut, moi, courage, là, yo. On dirait que tu es critique. On dirait que tu es plus que les critiques. Alors, tout à l'heure, belle voix. Alors, tu es. Yo, va se frapper par ta. Tu penses que tu es aussi les gars de ta. Dans la France. L'écriture dit ceci. Esaou t'a rejeté qui m'entend dans le loco et en valeur. Lorsque Esaou avait rejeté les trois dénesses qui avaient pris son nom. Quand Luca qui a mangé sous ton poison. Lorsqu'il les chercha, même à l'éla, avec l'âme. Les pères n'ont pas dit bénédiction et ajouté. Mais à sa boule, même il pleut. C'est pourquoi Paul dans Acte 20, verset 1.
a su parole. Il a pris cette parole de Jésus. Alors, et il dit, ils se réveilleront parmi vous. Et quand on voit ma carte, c'est la même. Là, ils étaient tous là, les anciens de l'église de Fès. Il y a l'église de Fès. Ils s'entraînaient dans la ville. Et quand on voit ma carte, parmi vous. Il se réveillera au milieu de vous. Alors, on va parmi ma prédité. Des lourds ravisseurs qui ne parviendront pas à la vie des prédits. Et ils s'introduiront aussi. Ce sont ceux que le Seigneur parle, ils viendront en vêtement de prédit. Et Paul a parlé d'eux dans Acte 20, verset 25. Et Paul a parlé d'eux aussi dans Acte 20, verset 25. Il y a beaucoup remarqué. C'est pourquoi vous allez remarquer. Dans 3 Jean. Dans le livre de 3 Jean. Et dans la gaga page encore. C'est juste une seule page. Ici on voit l'oura qui sert na katia assemblée de saints. Un l'oura qui sert parce que l'assemblée de saints n'est pas commencée. Parce que l'assemblée de saints n'a pas commencé au Congo. Ma Pierre, ma Jean, ma Jacques, les Pierre et Jean. Ça a été déjà assemblée de saints. C'était déjà assemblée de saints. Abandi, abandi au Congo. Il commence à écrire. Abandi le verset premier. Le verset premier. Proche. J'ai le nom de Jésus-Christ. L'ancien à Gaïs. Gaïs. Les bien-aimés. Que j'aime dans la vérité. Bien-aimés. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque tes frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. De la manière dont tu marches dans la vérité. Il y a trois phases à la qui? Il y a trois phases à la qui?
Et frère, on a vu sa action. À chasser. On chasse ces frères-là de l'église. On va toujours dire, frère, on va mener des points. Si tu poses le point, pourquoi t'as chassé? J'avais reçu une grâce dans ma maison. C'est ça qui est très bien. C'était dans l'église de Saint-Séverin. C'est pourquoi j'avais dit, lorsque je viendrai, je vous poserai au serviteur de Dieu. Ce qui apporte, si un apôtre de Jésus-Christ, envoyant l'église, viendra dans ses portes pour mettre des noms. C'est l'avenir de l'assemblée de saints. C'est l'avenir de cette église-là est une assemblée de saints. C'était l'assemblée de saints. Si ce n'était pas l'assemblée de saints, vous êtes à la maman. Mais sans tenir la bouteille, mais c'est quel type de prédicateur qui était là? Amen. Qui n'aime pas les grâces. Il n'avait vraiment l'esprit à Jézabel. Il avait vraiment l'esprit de Jézabel en lui. Donc, il était comme un loup. Il était comme un loup. À la terre à Maya, à Lyon, mais vêtu de peau de la brebis. Mais parmi les brebis du Seigneur, si papier m'a dit qu'elle a dit, les apôtres avaient vécu cela. Donc, on dit que c'est quand on dit qu'il y a la mort. Mais c'est nous qui avons échappé à cet événement. Baza. Ils sont là, les deux trèves. Baza. Ils sont là. L'assemblée de ces Banzanimokinimonima. L'assemblée des saints dans le monde entier. Mais ça n'a pas source. Mais il y a aussi d'autres. Oui, bah, au sein de l'assemblée, bien. Qui servent Dieu dans la fidélité. Mais si tu arrives à la zone témoignant. Comme ici, arrive à la gêne témoigne. Ah, bah, au sein de l'assemblée, bien, m'a dit la parole. Qui servent bien le Seigneur les aime. Et ça aussi, n'a pas source. Parole malignité. On n'aime pas la parole, frère. Amen. On n'a besoin de la grâce. Ils n'ont même pas besoin de grâce. Baza, ils sont là. Donc, Baza n'était pas Dieu trêve. Donc, Dieu trêve d'aujourd'hui. Vous avez un malin. Je suis votre parce que l'apôtre nous a compté la guide de parce que les apôtres se sont rencontrés. Paul a rencontré la guide de l'exemple. Paul a rencontré l'exemple dans les forges. Mais il a conseillé Timothée. Il a donné donc il faut comprendre que Madame Manza fait bien. Il faut bien comprendre les choses de Dieu. Sokokutaminet n'aoutoussei mokou. Tu vois par exemple un serviteur. A Bali pour rappeler ma paix à Moutoubo. Il commence à te rappeler le péché ou le mal. Il a dit ça et par la guerre. Dis-lui seulement. Rappelle. Donc parle de toi, mais ne parle pas d'un autre. Et dis-lui. C'est un verset. Il est révèle ton secret par celui de c'est ça le verset. Il y a pas de l'économie. Merci à mon proverbe. Merci là, c'est un proverbe. Donc, parle de toi. L'opinion m'a commandé. Parle pas de l'autre. L'opinion m'a commandé sous terre. Maintenant, pour changer du solo. Maintenant, changeons de sujet. Pour ça, maintenant, de toi. Parle d'abord de ce que toi tu tâches dans ton cœur. David a le dit. David le disait. Si Dieu t'a fait les souvenirs. Il y a quelqu'un qui ça va passer. Qui pouvait subsister sur la terre? Lorsque Salomon a bâti la maison de Dieu, il a dit ceci. Et ton âme promis sous nos armées à la maison. Cette maison est bâtie pour que tes yeux soient sur cette maison. Afin que ton peuple n'ait pas au péché. Afin que lorsque ton peuple péchera, alors, Paul, il a dit pasteur, Ezan a moutouté sur la terre qui ne pêche. Parce qu'il n'y a aucun homme sur la terre qui ne pêche. Amen. Voilà pourquoi Carl est ton nom. Voilà pourquoi cet temple est bâti. Je suis comme il a dit. Donc, alors, la maison de Dieu, d'accord, il en savait. Ezan, Paul, c'est pasteur. Pardon, il a péché, mais ça. C'est pour que les pardons du péché soient bâtis. Parce que, il n'y a personne sur la terre qui ne pêche. Mais comment on a pour tout le monde pour les empêcher? Ce n'est pas un homme. Mais Azara qui votre père dans vos sœurs. Ce n'est pas un homme. Azara qui votre père. Il était semblable à l'homme. À côté. Mais c'était Dieu péché. Dieu. Parce que Salomon l'a dit, il n'y a aucun homme qui. Parce que Salomon avait dit, votre bon côté à Seigneur. Tu vois, Tazan, l'homme. Quand tu vois quelqu'un qui non, c'est pas béni, il est fait. Sache qu'il est fait. Mais un homme a tamponné sur la terre. Mais il y avait un homme
qui a marché sur la qui terre. Qui est cet homme? Azaki plein d'amour. A tout ça va qui n'a pas de grâce. Guérissant les malades. Azo délivré. C'est ça qui vient. A la vie de la couche, la yé frode qui m'a on a vu de sa couche, le coup de la couche. C'est le Seigneur. Et ça va pour le même le démon. Même le démon. Avec la yé les esprits dans le fou de Gadara. Alors, il dit, Mikamonine entre Bissonaïo. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Le Christ de Messie. Christ au sang de Yahweh. On a battu nous. Là, les témoignages te demandent. Mais on témoigne que c'est lui le Saint. Il confessait que Jésus, c'est le Saint de Dieu. Amen. Un homme dont les adversaires ont témoigné. Un homme qui était témoigné par les adversaires. Différent de l'homme. Sa naissance est un miracle. Son entrée sur la terre, la mort, c'est un miracle. Il est venu dire Dieu. Un miracle. Différent de ma discours. Il est différent, il était différent dans tous ses discours. Alors, il sort qui va vivre au moment où Jésus a ça. On est venu ici, on pourrait écrire les actes. Aucun livre sur la terre ne contenir. Pourquoi on la maman la ministère. Ce qu'il était venu faire dans son ministère. Jean le dit. Ce que nous avons pris est comme un résumé. Non, Dieu, ça va mourir. Il faut croire la grandeur. Il faut croire sa grandeur. Que Dieu te bénisse. Amen. Il y a moins de remarquer. C'est pourquoi tu vas remarquer que quand on l'oublie toujours dans Matthieu 7, lorsqu'il a dit toujours dans Matthieu 7, à continuer, il continue en disant à l'oublie le verset 26. Dis ceci dans Matthieu 26, au verset 26. Mais quiconque entend ces paroles, si mon Dieu soit sur ta parole, oui. N'a suivi 24 ans. Le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, il y a moi, mon tonnier soit son yokamaloba, que j'ai dit. Voilà le cas à partir du chapitre 5. Donc toutes les paroles qu'il a dit à partir du chapitre 6. 6. 7. 7. Quiconque entend ça, mon tonnier soit son yokamaloba, et les met en pratique, attire à mon ensemble, sera semblable à un homme prudent. Sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Jésus ne mange jamais. Il est sorti par la grosse terre. Matthieu 6. Le chapitre 5, 6, 7 de Matthieu. Après, clôture-moi. Après, il clôture au verset 18. Et c'est lui qui entendra ces paroles et les mettra en donc, parmi ma campagne, donc, parmi ces choses, il a dit, attends, on va prédire. Il a dit, même si vous êtes des prédits comme ça, ma faute prédit, ma faute prédit, ma voyage, ma voyage, ma loup, mais ma latte, comme ma prédit. Sache qu'il y aura des loups qui viendront, mais en vêtement, des prédits. Mais clairement en pratique. Vous allez la mana? Amen. Donc, au voyez par Oezalbe, il y a vrai. Tu vas reconnaître le vrai. Par raison présenté en enseignement. Lorsque le vrai te présente le vrai enseignement. Que Dieu te bénisse. Amen. Et en gros, vous remarquez que la carte, c'est un mot même tout au temps bon. C'est pour vous que la carte est un mot tout au temps bon. Nous retournons dans ce. Dans notre ton soin qui Deutéronome Exode chapitre 25, on avait pris Exode chapitre pour la montagne ça les guerres de l'Éternel. Pour parler des guerres de l'Éternel. Souvenir Yazam dit Karaki contre Amalek. Le souvenir de Dieu contre Amalek dans Exode 17.
Lorsqu'on avait pris ces textes-là, on s'est mention qu'ils en attendent où Moïse a baissé ses bras. On a fait mention du temps où Moïse baissait sa main. Baisser le mot qu'on a eu là. Donc Moïse baissait sa main. Et ça veut dire que le Seigneur ne veut pas agir. Donc c'est comme le Seigneur qui ne veut pas agir. Vous en avez maman. Amen. Et après l'Obama dit, c'est pourquoi il faut qu'il tire le mot qu'on a eu. Si Moïse baisse sa main, Amalek était plus fort. C'est Amalek qui était le plus fort. Et tellement, c'est pour ça que les gens ont vu à Israël, Azali pour désobéir, Tanaza. C'est dans la vie d'Israël, lors de la désobéissance, est en train d'être envahi par Moïse. Lorsque Moïse lève sa main, Israël était le plus fort. C'est Israël qui était le plus fort. Et ça, dans nos âmes, parce qu'il tente son bras pour vaincre les Manassés. C'est lorsque le Seigneur étend son bras pour vaincre les Manassés. Attendez ça, dévouement en alliance. Il avait représenté tous ces deux mouvements. Et dans nos alambiques, Azala qui fatigué. Et dans nos alambiques, Moïse était fatigué. Et quand il s'est calmé, il a saisi Tanaï comme père. C'est là qu'entre temps, il a fini son temps du père. A présenté comme la faiblesse. Donc il a présenté la faiblesse. La féminité. Au moins si. Afin qu'il approche. Il s'est assis sur le rocher. C'est Dieu qui prend corps. Et ça nous amène dans un temps de l'eau. Il a dit dans ce temps, la main a été californie. Sa main. Il était venu s'asseoir sur le rocher. Rome là, c'est le corps, c'est Jésus-Christ. Et cette pierre là, c'est Jésus-Christ. Ah, il est ferme. Donc, il est comme une mère. Il est venu comme une mère. Pour acheter. Amen. Et quand nous tournons dans la texte, dans la psaume 83, et lorsque nous regardons le texte de la psaume 83, Moïse est ici que Zakazaka silence. Et le psalmiste a montré que le Seigneur est dans le silence. Mais avant d'écrire le ciel est dans le silence, mais il écrit le ciel qui demeure dans le silence. Mais Namabele, mais sur la terre, il y a les ennemis de l'éternel. Il y a les ennemis de l'éternel qui s'agitent. Basabaka alliance. Qui font une alliance. Basabaka nous sommes dans l'alliance. S'élève leur seule tête. Écriture en absence 89. Cette écriture en absence 89. Azaka pour tout le monde. Ils n'ont qu'une seule tête de toutes ces nations. Vous en avez un? Amen. Donc si ils élèvent leur seule tête. Il faut bien comprendre maintenant l'Apocalypse 17. Et tu dois venir voir cette seule tête-là d'Apocalypse 17. Les 10 rois. Bah, comme nous sommes. Bah, parce que pouvoir n'a pas mon nom sur la paix. Donne toute leur autorité à la paix. Donnez-lui mon option. Les 10, les 10, va tomber les têtes. Élève une seule tête. Nous insistons que nous avons été en alliance. Nous insistons qu'ils étaient en alliance. Alliance, ça nous est contre l'éternel. Et cette alliance-là est contre l'éternel Dieu. Souci de la famille. C'est quoi leur souci? Israël est en efface. Israël soit exterminé. Pourquoi pas pour des lions? Pourquoi ces pensées-là? Pourquoi ils vont effacer Israël? Parce que si c'est pas Israël, ça va pas pour cause. Les seigneurs deviennent menteurs. Nathan, là, d'abord, en ces temps-là, par rapport à la nation, va, ça dit quoi, par rapport aux ennemis, bataille Israël. Par rapport aux nations qui avaient prévu d'attaquer Israël. Et qu'il va effacer Israël, attaque Israël, tout le monde va dire qu'il y a soudé. Ils effacent Israël ensemble, il n'en reste même pas un seul. Ça va pas pour cause. Les seigneurs deviennent menteurs. Pourquoi? Jacob, à l'envoi. Parce que Jacob, t'as bataille avec Judas. Lorsqu'il avait regardé Judas, Abishida, tu reviens na carnage. Outi posasa. Les sept, il y a royauté pour le monter na Judas. L'Inden d'abord côté pour le monter. Jusqu'à ce que les Chinois. Qui n'ont pas moyen de Chinois aya. Donc l'Ibutu il nous vous en efface. Le peuple qui ne peut pas. Si on commande un Chinois, je vais s'attaquer. C'est que vous voyez les Chinois être parmi eux. C'est pour le milieu, c'est des programmes. Pour effacer la monnaie, on se passe. Pour effacer toute Israël sur la terre. Tu commences à la prophétie. Quel est l'année, ça peut être dans sa main. On se pose un programme. Tu te poses au programme de Dieu. Le lègue est mon corps. Et la même manière. Quand vous êtes bon d'Amaki. Lorsque toi tu étais. Attends, vous êtes bon d'Amaki. Si tu ne connaissais encore rien. Ça, vous n'avez pas qu'ils sont bon d'Amaki.
na 2000. Si tu étais né en 2000 par exemple. Ok, na 1990. En 1990. Zamba yeba kike. Le Seigneur savait très bien. Na bongisi ke akobo na motema. J'ai prévu qui va se répondre. Na 2016. En 2016. Après ça, il y a un petit peu de ça, dit ça. Ça va. Le Seigneur est comme ça. Amen. Donc il y a un moment à sa façon de voir. C'est pourquoi ça dit que va faire contre l'éternel. Donc il faut mettre le projet contre. Parce que la carte a perdu l'eau. Parce que dans ce peu. Balaam a mon ami. Balaam avait vu. Alors dit, je les vois. Dans son mon ami. À son moment, à nombre 23. Il est dit dans l'ombre 23. Un verset de bien. Au verset 2. Je les vois. Dans son mon ami. Non de près, la paix de Dieu, mais de loin. Et astre sort de Jacob. Mon tout le monde comme il m'en a eu à Kobo. Balaam, mon ami, n'a rien de ni mis. Balaam avait vu Moïse et Yamassi à Yesu. Et Balaam a zaradi pour bagarre. Balaam était des grands païens. Nganga, et devant. L'exemple après ce qui est un message. Même si il y a un message. Nganga, et devant. Attends, mais qu'est-ce qui est un message? Mais le Seigneur lui donne des messages. Moïse, c'est Moïse, le prophète. Il marchait avec le peuple de Dieu. Mais il a écouté Balaam. Balaam est étranger. Balaam a dit un astre. Pour tout le monde. Moïse a dit à combien? Moïse a dit livre. Dans son livre. Dans l'ombre. Alors nous venons. Ce n'est pas Balaam qui a Moïse a dit Maka. C'est Moïse qui avait attesté les paroles. Un astre sort de Jacob. Mon tout le monde est sorti dans le monde. Le Seigneur peut parler un païen. Mais cela ne veut pas dire à quoi il me semble qui devient un frère de terre. Non. Qui me semble que c'est la doctrine. Donc le médecin l'enseignant. C'est un frère. Cela n'a pas là. Amen. Donc au bout de ton avis sur sang, tu peux croiser notre frère curé. Va curé catholique, va savoir de ton avis sur la première temps. Les catholiques sont nos frères dans le premier Adam. Nous avons famille, mon nom, nous sommes dans le même Adam. Parce que nous provenons tous de soi. On est prêts à les déchirer dans notre famille. Ils sont nos frères. Bataïsra, les musulmans. Azabate, mon ami, sont nos frères. Ils sont nos frères. Dans Adam, nous tous nous provenons des mêmes parents. Mais voilà, on va dire qu'il y a un tia au Kawani. Mais le Seigneur a dit qu'il est entre les frères, à mon père, ça fait enseignement. Il va donner seulement enseignement. Oui, Kaboli, Esaou, na Jacob, Matan, l'enseignement, la prévenance. Donc, ce qui avait séparé Esaou et Jacob à un moment, c'était le droit de naissance. Nous voilà, suivant attentivement, l'enseignement, l'idée, les gros Kabolaïos, avec ça. Et ça a toujours un état de sa malade. Et toi, elle a toujours une bonne pensée à son égard. Ça met la paix pour elle. Et prie aussi par sa faveur. Et Dieu te bénisse. Amen. Et là, très très important. C'est très important. Et on se trouve tout ce que nous disons. Dans un état, nous serons qu'on peut insister. Nous voulons à chaque temps insister.
que bien aimé, Bamba te, ce n'est pas en vain, prophétie en psaume 83, et la prophétie de psaume 83 à 10 nations. À 10 nations. Ce qu'on dit aussi, stati, ya, oyoyo, nani monaki, si vous prenez aussi la songe, que Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar avait vu dans le songe, dans Daniel 2, dans Daniel 2, au moment d'un misal, ya makolo, vous avez entendu. Les orteils sont au nombre de 10. Vous êtes dans la maman? Amen. Dans l'Apocalypse, les orteils sont 10 rois. Et dans l'Apocalypse, ces orteils apparaissent comme les 10 rois. Dieu bénisse. Amen. Parce qu'on a alliance dans la bête. Ils seront en alliance avec la bête. Par monde et par montagne, dans le monde, dans le 6e saut. Ce sont les montagnes. Que parlons aux autres qui me parlent, c'est pas montagne et bombe. Que d'autres rois de la terre fuyaient en demandant aux montagnes de les couvrir. À montagne, on a des oreilles comme un ambassadeur. Donc ces montagnes-là avaient des oreilles pour écouter ce que disait le roi. C'est bien que Dieu va faire trembler la terre. C'est bien que Dieu va faire trembler la terre. Mais à vous faire trembler plus ma roi. Mais le Seigneur fera trembler plus le roi de la terre. Vous suivez attentivement. Que Dieu bénisse. Donc, pourtant, on a vu aussi Daniel chapitre 12. On avait lu ensemble aussi Daniel chapitre 12. Et ça, mais quel tiers de la situation qu'il faut observer la carte. Ce sont des critiques qu'on avait lues et on doit les répondre. Daniel 12. Daniel chapitre 12. Au moment du verset 11. Vous voyez le verset 11. Depuis le temps où cessera les sacrifices perpétuels. Où t'attends Oyo et au cas de ma méca, il y a des pélas qui attendent. Et où sera dressée l'abomination du dévastateur. Et dans le côté à ma méba à côté d'ici, il y aura 1290 jours. Et vous allez na Nicolo, côté mon corps, balé. Tout le bois. Abomination, oui. Cette abomination, il y a un moment qu'on pèse dans Daniel 9, verset 27. C'est la même qui se trouve dans Daniel 20, Daniel 9, le verset 27. Il y a un moment que Jésus a prophétisé qui dit que l'on a un moment dans Matthieu 24, verset 15. C'est au sujet de cette abomination que Jésus avait prophétisé dans Matthieu 24, le verset 15. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc, pour comprendre, il faut que l'on parle l'abomination pour Daniel à l'obélé qui est en pour comprendre cette parole, il faut aller voir là où Daniel a parlé de cette abomination. Mais Jésus t'a envoyé. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, à l'obélé et il a dit cette abomination viendra dans la suite du temps. Amen. Nous nous faisons bien un premier mot et Boyaka. Jésus l'a amené dans la suite du temps comme un événement. Il y a un état de l'autre dans Daniel 12. C'est pourquoi lorsque nous le lisons dans Daniel 12, nous disons que cela n'est pas encore accompli. Nous nous faisons bien comprendre. Et Ezotiaman à moitié il y a semaine. Et cette abomination est établie à la moitié de la semaine. Et ça, la doctrine, nous souvenons que soit 10 semaines et qu'elle est dans la 3 ans et demi. Il y a d'autres doctrines qui disent qu'il ne reste que 3 ans et demi dans 70 semaines. On va des erreurs, oui, américains, béni, va salari. Là, ce sont. C'est une erreur que beaucoup d'Américains ont commise. Publié qu'il y a 70 semaines et qu'il est à 3 ans et demi. Ils ont publié dans leur enseignement qu'il ne reste que 3 ans et demi dans les 70 semaines. Position à Bango. Leur position. Apocalypse 11, ils ont quoi? Apocalypse 11, les rejettent. Pour verset 2, Apocalypse 11. Parce que le verset 2 d'Apocalypse 11. Et l'obéi va fouler Jérusalem au pied pendant 42 mois. A dit qu'on va fouler Jérusalem au pied pendant 42 mois. Verset 2 et Apocalypse 11, ils ont 3 ans et demi. Donc au verset 2 d'Apocalypse 11, il y a 3 ans et demi. Dans verset 3, au verset 3,
3 ans et demi. Donc il y a 2 3 ans et demi dans ces événements. Déjà, ce que vous annoncez, non? Déjà, si quelqu'un dit programme, il y a son dit, c'est bien qu'il y a 3 ans et demi et comme il faut. Il ne reste que 3 ans et demi dans le programme de 70 semaines, cela devient une fausseté. Et tant que vous ne parlez pas, et lorsqu'on en parlera, vous ne parlez pas. Il parle plus dans le sens de temps, on va les deux hommes prêcher la parole et en même temps on va fouler Israël. Ce ne sera pas ça. Des hommes basanés, la bouche est donc protéger la femme devant frère basanés. Les deux hommes sont comme la bouche qui protège la femme devant le feu du sang. Apocalypse 12. Dans Apocalypse 12. Quand vous parlez basanés, lorsque les deux hommes sont là, l'ennemi a beaucoup foulé jamais Jérusalem au pied. L'ennemi ne pourra pas fouler Israël en présence de deux hommes. Donc cela veut dire Nassimaya Niwana Rambo. Cela veut dire après leur mort, des abominations je tiens. Alors sera établi l'abomination. Maintenant on va travailler pendant 3 ans et demi. Et on travaille pendant 3 ans et demi. De l'abomination exotienne. Alors l'abomination est établie. Et tu expliquais qui l'abomination. Alors on avait expliqué l'abomination. L'abomination est une comme sauter. L'abomination est Dieu. Changer de Dieu. Changer d'adoration. Pour Napoléon Kaniko. Parce que dans cette alliance, mais quand dans un tourba, les sacrifices que nous offrons, Esaïe a dit, ce sont l'hommage de nos lèvres. Ce qui, pour changer la relation, si nous changeons l'adoration, cela veut dire que nous avons le souillé sous terre. Cela veut dire que nous ne parlons plus, que nous ne confessons plus Jésus-Christ. C'est que ton longo les vraies adorations. Cela veut dire que nous avons enlevé la vraie adoration. Nous allons en avant. Nous suivons attentivement. Israël. Israël bien-aimé. Après la mort, il y a 10 ans. Merci, ma couffa va s'abonner, ma lèvre. Va changer l'adoration. Va changer l'adoration. Mais les 144 000 terres. Mais pas les 144 000 terres. Va bon, garder l'adoration. Eux vont garder la vraie adoration. On découvre la mort d'Apocalypse 14. Nous les découvrons d'Apocalypse 14. Il y a un total ici pour eux. C'est pourquoi nous avons montré ça. Selon l'écriture, on t'a dit toujours ma Daniel. Selon l'écriture de Daniel 12, que bien après le temps, il y a 3 ans et demi. Après le temps de 3 ans et demi, 1260 jours, il y a encore 30 jours. Les appels on est sur ça à 1290. Et qui font 1290. Or, toi et bien. Or, nous savons très na Daniel 2. Dans Daniel chapitre 2. Comme on a verset 43. Ils ont présenté une pierre qui se détache sans les secours de Dieu. On présente une pierre qui se détache du sommet de la montagne. Oui, il y a pour frapper la statue. On veut nous frapper la statue. Donc voilà, la pierre va nous faire pour l'abomination. Là, cette pierre vient enlever l'abomination qui était sous terre. Donc, abomination aussi dans la 1290. L'abomination cesse en 1290 jours. Donc c'est que 30 jours où on a eu baptisé Nicolas 1260. Donc les 30 jours qui se sont ajoutés sur 1260. Et Zantan où la pierre les yeux pour frapper les 10 orteils. C'est le temps pendant lequel la pierre vient frapper les 10 orteils. Je suis au Canamara. Amen. Pierre où on a c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et cette pierre c'est Jésus-Christ lui-même. Et Dieu te bénisse. Amen. C'est que dans tout cela, la colonne a jamais été résolue là comme quelqu'un voyait. Dans la grâce de Dieu, comme nous reprenons petit à petit. On pensait que aussi Esaïe 42. On avait donné aussi Esaïe 42. À partir du verset 14, parce qu'il y en a qui disent 17e. À partir du verset 14, on est allé jusqu'au verset 17. Total Isaïe, on avait montré Zambalomaki afin de Kinyami. Le Seigneur a dit qu'il a longtemps dans les sciences. Mais à quoi crier? À bouger ma montagne, il va ravager montagne. Il y a monné de dalle. Et c'est ce qu'on a. Mais na simana est pour attaquer ma montagne à ma colline. Mais après qu'ils auraient attaqué, ravagé montagne et colline, à quoi y a pour guérir ma veille? À quoi
Aujourd'hui, les aveugles sont les enfants d'Israël. À ce moment-là, ils ne voient pas. Vous êtes la malade, vous s'y voyez pas. À ce moment-là, ils ne voient pas aujourd'hui. Mais le Seigneur a dit qu'il y a un dit qui s'abandonne. Mais le Seigneur a dit qu'il viendra les guérir. Nassi m'attend pour détruire ma montagne à ma colline. Après avoir ravagé montagne, c'est colline. Or, ma montagne à ma colline. Or, les montagnes, c'est colline. Apocalypse 17. Ce sont les rois, les animaux codis. Et Dieu bénisse. Amen. Et que la grâce du Seigneur les en et que la grâce du Seigneur soit à la paix de famille. Que le Seigneur t'aide à la jalousement. Pour moi, dit que c'est ce que vous souhaitez dans mon lobby. Nous avons dit que c'est les rêves qu'on va mettre terme à nous. Et en revenant à quel boyer, malheur, malheur, bénissous. C'est pourquoi je suis allé petit à petit. Serviteur à lui dans cause de Christ. Et je crois que nous sommes serviteurs à cause de Jésus-Christ. Donc, mon père, ça va mettre moi dans mon salaire. Un serviteur, un prédicateur est comme un serviteur. Dans nos âmes, la paix, mon salaire, mon salaire, mon salaire. Si le Seigneur l'appelle au service, il le fera. Et dans mon salaire, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, on a Jérémie à l'Obadi. Comme Jérémie avait dit. Mais là, il a besoin d'un fait de qui il y en a dans le délai. J'avais besoin de les contenir et de ne plus parler en ce moment. Mais je sentais toujours un feu. Ça sera qu'il m'a monté en monde. Je voulais les contenir, mais je ne les ai pas. Jérémie 20. C'est dans Jérémie 20. À partir du verset 7, verset 10. À partir du verset 7 jusqu'au verset 10. À comprendre que Jésus dit m'a dit. Il a compris qu'il a dit son père soit détail. Au long de la longue. Le Seigneur a l'ombre à ta vie. Le Seigneur nous va. Nous n'avons plus un autre chemin où aller. Sauf qu'on me dit qu'à l'Ikamouza, pour être maillé. Si tu essaies seulement dans une chose que Dieu ne veut pas, qu'on s'en a qui n'y a terre. Tu ne seras pas dans la terre. Dis aux hommes, jusqu'à ce que tu vas te répandre. Alors tu vas sentir la paix en toi. Que la paix du Seigneur les a dit, que la paix du Seigneur soit sur toi, les a dit. La paix va y avoir vraiment. Seigneur, merci parce que vous avez construit mon aide. Merci Seigneur parce que tu y es un conseil. C'est ta grâce qui nous a préservé de Dieu. On se fait là qui côté a mis sur ta parole. Tu avais plus de nous prêcher ta parole. Et comme mis dans l'air détresse, il est écrit dans l'air détresse. Il criait à l'Éternel. L'Éternel l'a envoyé sa parole. Et sa parole est guérissant qui va. Et sa parole avec elle. Oh, Dieu, son divin parole m'a dit que la changement. Et tout celui qui a crié à ta parole vive le changement. Ta main puissante, ton Dieu. Le bon colon est envoyé en ce moment. Il y a un sal à la cathédrale. Va ce travail en nous. Si il va y avoir un sal à la cathédrale. Seigneur, tiens-le là où il n'est pas parti. A dit que la colonne est en vive ta grâce, oh Dieu. Qui vient à